comme sur une corde. C'est un format de vidéo courte. C'est pas des tutos, c'est pas des cours, on est simplement posé entre nous. On va simplement dire ce qu'on pense, donner notre avis. C'est notre manière de voir les choses et vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, souvent, on n'est pas d'accord entre nous. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça nous arrive aussi, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la PLS, position latérale de sécurité et du sol. Donc, si vous voulez faire un petit peu spécialiste, vous dites Newaza, c'est le sol en japonais. On couche les personnes de préférence, en règle générale, à droite. À droite, sauf les femmes enceintes et les personnes en surpoids. Alors, les personnes en surpoids, c'est pas un jugement de valeur pour dire que t'es gros, t'es pas gros. Je mettrai un petit tableau ici avec les l'IMC, c'est simplement que le corps et les artères disent là, c'est un petit peu trop là. Donc, faites attention. Les femmes enceintes. Donc plutôt sur le côté gauche, comme les personnes en surpoids. Je mettrai ça en lien dans la description. C'est parce que l'œsophage appuie sur la veine cave, me semble-t-il, je peux me tromper. Et pareil pour le fœtus, qui appuie sur, aussi pareil, sur le côté gauche et pour les femmes enceintes. En règle générale, sur le côté droit, mais ça nous arrive de faire des vidéos où j'ai couché la sur le côté gauche et elle est visiblement vivante. Donc tout va bien. Laurent disait, on ne fait pas de corde avec les femmes enceintes. Je disais que moi, en tant qu'homme et en tant qu'encordeur, ça me pose le souci de faire ça avec les femmes enceintes. Parce que je pense qu'il y a plein de risques à prendre, donc voilà, c'est moi, mon intimité, ma pudeur qui fait que. Voilà. Et mais moi, Valérie est en train de négocier hors champ. J'ai renchéri en disant que ça dépend de quel corps on parle. Non, effectivement, elle a raison, si c'est simplement des cordes sur les gens, un petit photo de moi, un petit truc, un petit corset, ouais, voilà. Elle négocie, voilà, elle négocie. Vous y allez doucement, en fait. Ok. C'est peut-être jouable. Voilà, ouais, elle change d'avis, ouais, c'est cool. Je suis pas d'accord avec moi-même, bon, c'est plutôt bien. Je crois que nous avons dit l'essentiel. Voilà, comme d'habitude, c'est des vidéos courtes, donc on a oublié plein de choses et c'est pas grave. On l'oublie des fois en tant que spectateur. Vous pouvez penser à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Ouais, nous aussi, on l'oublie en tant que spectateur, donc si vous voulez, c'est pas grave, c'est un petit rappel. Et donc, je crois qu'on a un petit peu tout dit, donc. Au revoir!